Bonjour à tous. My name is Sandy Baird, and I'm here with What's Going On, which is a citizen journalist program talking about the news and the current events of the day. And we are honored this morning to have two guests from the Democratic Republic of Congo. One, Ms. Belfi Matulongo, who is a judge and a lawyer from the Democratic Republic of Congo, who is part of the judicial system in Congo. And the second person is Mr. Tati Miesi, who is a political leader and a lawyer also from Congo. And we're very honored to have these people with our studio to comment and to talk about the Democratic Republic of Congo, which is a country that is not very well understood in the United States. It's a country that has been involved in a lot of struggles about war, about decolonization, and is emerging as a leading country on the continent of Africa. And we're hoping this morning to talk a little bit about that kind of rising star of Africa, we hope, correct? And with us also is Jules Vetchi, who is a doctor in our community, also from Congo, but he's also a disc jockey, where he plays a program on the Radiator, a local radio station, every week. Is that right, Jules? Okay, great. So we are also joined by Eric Onyero from the Cote d'Ivoire in Africa, who will act as our translator, I hope, right? All right, no problem. Bienvenue, Madame la juge, chers frères, bienvenue en tout cas. Nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau. We are very happy to have you from visiting from Congo. So, le Congo a été toujours montré au public américain comme une terre de problèmes, la guerre, des problèmes de colonisation. Chaos. Le chaos, alors que nous rendons compte que le Congo est en train de retrouver sa trajectoire vers un développement harmonieux. Nous nous rendons compte que les choses commencent à bouger et nous espérons donc avoir à parler aujourd'hui d'une star montante en Afrique. Bienvenue donc, Sandy le disait tout à l'heure, nous sommes donc avec le docteur Wechi aussi, avec qui nous passons. Any questions, Cindy? Yes, I would like to ask Ms. Matulongo about the judicial system in Congo. The United States does perceive Congo to be a country of chaos, and yet she is here to tell us today that it is not, and that it is organizing itself along the same kind of lines as the United States. So I wanted to ask the judge about the separation of powers within Congo, and does it exist between the judicial system, the executive, and the legislative branches? À vous deux, la première question de Sandy, c'est de découvrir un peu comment la justice marche au Congo. L'idée que les gens ont ici, c'est donc le chaos règne en Afrique, au Congo, et là on se rend compte que nous recevons donc un avocat, une juge, et qui représente un système qui marche. Bien, pouvez-vous nous parler un peu de comment la justice marche? C'est vrai que l'image que le Congo ou l'Afrique en général donne à l'extérieur, c'est une image de chaos, comme si tout ne marchait pas. Pourtant, cela n'est pas ainsi parce que nous sommes un exemple. Il y a à mon côté un avocat et moi je suis juge pour dire que le système judiciaire est organisé. Il est organisé par des textes de base. Il y a des cours de tribunaux, il y a les parquets, il y a l'indépendance de la justice, comme partout ailleurs. Bien que ce n'est pas parfait comme toute justice, mais néanmoins, la justice au Congo est là et elle est organisée. Elle est organisée. Voilà. Could I ask, could that be translated and then we'll go? Yeah, I mean, she's literally saying what you said, you know, I mean, even if the image that they have from Congo, you know, here is that of chaos, that of war. There's a justice system that is there. There are tribunals. There are courts. You know, and then the justice system and the executive branch and the other branches are like everywhere in the world competing. Not everywhere in the world. It's special. This is very special. To have an independent judiciary is very special. So that justice system is, trying to stay independent. Yeah. And then it's something that, is in progress. Voilà. Les systèmes juridiques au Congo
et les modèles stéréotypés copiés du système romano-germanique, notamment les systèmes appliqués en France et en Belgique. Okay, the system from, you know, Congo is copied on what is practiced in France, in Belgium. C'est le système romano-germanique. Roman law. Roman, yeah, alors, in Germany. Germany. Yeah. Why Germany? Do you... What? Il y a les ties between Congo and Germany, is that correct? No, it's like a school of law or law philosophy that is linked to the Romano-Germanic. Ça a été un bloc, enfin, je dis, Sandy, bon, on aura le temps de couper ça. C'est l'un des systèmes mondial. Parce qu'il y a les blocs anglo-saxons, il y a les blocs Romano-Germaniques. Okay. Oui. So there's two blocks, like when it comes to judiciary systems, you know, the one from Romano-Germanic, which is Romans and Germano, you know, and then the Anglo-Saxon. Uh-huh. So that of Congo is copied on the one from the Germano, Romano-Germanic system. Right, right. So that means. In the United States, the separation of powers is very important because it denies anyone having absolute power. So the separation of powers is very important. And I am guessing, or I'm asking, that's true in Congo as well. Voilà. Donc, je voulais justement parler de séparation parce que les systèmes étatiques maintenant du Congo est caractérisé par trois pouvoirs. Il y a les pouvoirs exécutifs, il y a les pouvoirs législatifs et il y a les pouvoirs judiciaires. Les pouvoirs exécutifs, c'est celui-là qui met en place des programmes d'action et qui suit l'exécution. Les pouvoirs législatifs, c'est celui qui légifère, qui vote les lois, qui prépare et tout consort, qui donne des lignes de conduite dans tous les secteurs du pays. Et il y a les pouvoirs judiciaires qui a principalement la mission de contrôle des comportements. Okay. Alors, tous ces trois pouvoirs sont séparés. Alors, les pouvoirs judiciaires, lui aussi, est séparé en son sein. Il y a des juridictions d'ordre civil et il y a des juridictions spécialisées. Dans les juridictions spécialisées, il y a tout au sommet la Cour de cassation, à côté duquel il y a les parquets général près la Cour de cassation. Il y a les conseils d'État qui y a à son côté aussi les parquets général près les conseils d'État. Okay, et puis. We maybe should translate. Yeah, yeah. Yeah. So, you know, as you know, Congo is divided in three branches. Right. You know, judiciary. Legislatif and, you know, executive. So, but even within the judiciary system, there are also, you know, branches, sub-branches. You know, la Cour de cassation, c'est le sommet. Le sommet, with, you know, the highest court. Right, like a Supreme Court. Yeah, the Supreme Court. C'est la Cour suprême, on dit. Il y a la Cour de cassation au sommet. Okay. Il y a la Cour de cassation qui gère des litiges purement d'ordre juridictionnel normal. Mm-hmm. Et puis, il y a les conseils d'État qui gèrent de tout ce qui est administratif. Yeah. So, even, you know, so... You know, there's a sub-branch that deals with, you know, common, you know, cases, and then you have some like small claims court. Maybe. No, but like any, and then you have other, you know, sub-branches that are only dedicated to administrative issues. Same here. Yes. Yeah. Il y a aussi la Cour constitutionnelle. Qui gère de tous les litiges liés à l'interprétation de la Constitution. So constitutional law also is, you know, dealt with the what they call la Cour constitutionnelle. Oui. Okay, that's court, yeah. Right. The Constitutional Court, that interests me greatly. So, unlike many other countries in the world, there is a written constitution in the Democratic Republic of Congo. Is that correct? La Cour donc constitutionnelle intéresse parce que elle s'intéresse donc aux constitutions dans les pays. Okay. Est-ce que le Congo a une constitution écrite comme les États-Unis et la France bien sûr, mais comme ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde, hein, est-ce que le Congo a une constitution écrite
Mais affirmatif. Ouais. Les systèmes juridiques congolais basés sur l'écrit. Écrit, oui. Et tous les textes sont écrits. Effectivement, il y a des us et coutumes qui viennent aussi en appui, mais à condition que ces us et coutumes ne soient pas contraires au droit écrit. Go ahead. So yeah, they have a constitution, written constitution, like, you know, here in the U.S. All matters are dealt with, you know, with the you know, according to the constitution. But you know, sometimes uses and customs, mm-hmm. is that how you say it? You know, mm-hmm. are, you know, taken in consideration as long as they're not competing against the constitution. Right. Well, that's also true in the United States. So in the United States, I think that's very, very important to, and I thank you for bringing that up, because there are many countries in the world, including England, that do not have a written constitution. The United States has a written constitution against which all other law is measured. And so I believe that that's very important for everyone to know that countries, emerging countries, like Congo, have written constitutions. C'est important pour les Américains et pour le public de savoir qu'au Congo, il y a une constitution écrite, contrairement à la Grande-Bretagne qui n'a pas de constitution écrite. Mm-hmm. Donc, la constitution, c'est vraiment le socle hein, donc, de tout, toute la justice. Et la constitution reste la boussole. Hein. Oui. Donc, la ligne de conduite. OK, et... I would like to ask the judge if what kind of cases that you see. OK. Okay. Donc, à côté des juridictions d'ordre civil, il y a aussi des juridictions spécialisées qui sont entre autres des cours militaires, il y a des tribunaux pour enfants, il y a des tribunaux de commerce, il y a des tribunaux du travail. So specialized courts like, you know, that of kids, I mean children, juvenile, for business. I mean work le tribunal du travail hein. Oui oui. Yeah, so prud'homme hein, c'est tribunal du travail like which deals with you know, cases related to work and like workers' compensation. Yeah, yeah, and then quel autre il y a les tribunaux les cours les tribunaux militaires. Military. Il y a les tribunaux pour like, enfants, yeah. les tribunaux du travail et les tribunaux du commerce. Business, you know. Alors, okay. c'est toutes ces structures, il y a des compénétrations du point de vue fonctionnel et structurel. Mm-hmm. Ce que je viens de citer, c'est beaucoup plus au niveau du sommet. Mm-hmm. Et qu'il y a une représentation au niveau central de Kinshasa qui est la capitale. Mm-hmm. Donc, dans chaque province maintenant, il y a une cour d'appel et un parquet général, ainsi que des tribunaux de grande instance, des tribunaux de paix. Mmh. Et donc, madame la juge est juge au tribunal de grande instance. Okay. Voilà. Yeah, so all these courts are also, because Congo is a federal system. C'est un peu système fédéral, le Congo. Oui, pas de manière prononcée. Pas prononcée, mais like they have different provinces. Mm-hmm. Yes, like. So in mm-hmm. each province, you know, you have. Court. C'est pas du fédéralisme, mais de la décentralisation. It's like really? Decentralized. Donc like la séparation yeah, yeah. des pouvoirs, les pouvoirs et les autorités au niveau de la structure centrale ont délégué une partie de leur pouvoir à certaines autorités provinciales. Donc so c'est like la décentralisation. You know, delegated powers from, you know. Right. So let's go back to, yeah. You know, your question. Huh? My question is to the judge, mm-hmm. what kind of cases does she see? Quels sont les types de cas que vous voyez, que, sur lesquels vous intervenez? Non, non, nous disions que nous avons tous les pénales et les civils. Donc, nous intervenons dans tous les cas, ça dépend de matière. Okay, en tant que juge de grande instance, nous avons, en dehors de juridiction, des affaires dévouées aux juridictions spécialisées, comme venait de dire maître, hein, de causes qui concernent les enfants, de travail et tout. Tout ce qui reste là, nous examinons cela oui. en know, tant que juge de grande instance. Know, outside, you know, the specialized cases like children. That is dealt with the children's tribunal and the court for
workers, you know, and other cases. All other cases, you know, criminal or civil cases, are dealt with. Okay, great. Le tribunal de première instance, quel serait son... J'essaie de trouver l'équivalent ici, c'est Superior Court, right? De première instance, donc, c'est le tribunal de paix. De paix, donc, la première juridiction, la plus petite juridiction qui puisse exister, en fait, c'est ça? C'est le tribunal de paix, et qui est chargé, comme madame la juge a dit, de recevoir des litiges d'ordre civil et aussi d'ordre pénal. Dans les litiges d'ordre civil, je n'ai pas de précision. Par rapport à un certain montant, un seuil. De la valeur des contestations et des réclamations. Et au-delà de ce seuil-là, les litiges doivent passer à la juridiction supérieure, qui est le tribunal de grande instance. Mais en matière pénale, ce tribunal reçoit des litiges dont la peine maximale ne dépasse pas 5 ans d'emprisonnement. So depending on, you know, the seriousness of the case, you go from, I mean, right. the first instance, première instance is like the, you know, the lowest right. court, you know, which would be here, you know. Small claim. And then you move to deuxième instance, which is, you know, higher, superior court. Yes. And then to the Supreme Court. Après vous, c'est... La Cour d'appel. C'est la Cour d'appel. La Cour d'appel est the Supreme Court. Supreme Court, Après la Cour d'appel, il y a la cassation au sommet, donc... And then after, you know, the Supreme Court, you have like... I mean, because here it's Supreme Court. If you feel like at Supreme Court, your case is... Over. Mm-hmm. But there's another court... qui est la Cour de cassation, peut casser les décisions prises. Autrefois, c'est juste la dénomination qui a changé. La Cour de cassation, la Cour suprême, qui à ces jours est devenue la Cour de cassation, en fait. C'est juste la dénomination, en fait, qui a changé. Effectivement, comme madame dit, la Cour suprême d'antan a été éclatée. Okay. En trois. Supreme Court was divided in three. C'est ça qui a deux, parce qu'il y avait la Cour suprême mais avec des sections à l'intérieur. La section administrative, la section d'interprétation constitutionnelle et tout consort. Mais maintenant, la Cour suprême de justice a été éclatée en Cour de cassation, Conseil d'État et Cour constitutionnelle. OK, so yeah, it's still the Supreme Court, but the Supreme Court was divided in three entities. One that will only deal with constitutional matters, one that will deal with, you know, other... donc, il y a la Cour administrative et puis la Cour... de cassation. De cassation. Okay. All right. You, Madam Judge, also deal with the incarceration of women, right, in Congo. So I'd like you to talk about that. Are there a lot of women who are in jail in Congo? Sandy demande si vous avez à travailler sur des cas d'emprisonnement de femmes. Oui. Quelle est l'importance de ce phénomène là-bas et quels sont vos défis autant que les hommes, nous avons à traiter aussi des cas où les femmes ont été ont enfreint la loi. Il y a beaucoup de femmes aussi. Donc, comme à la prison centrale, la plus grande prison de Kinshasa, il y a plus ou moins 350 femmes qui sont passées. Malheureusement, ces femmes-là sont en prison pour, comme je disais tantôt, pour de faits bénins. Donc, faute d'instruction, faute d'information, elles sont là à la prison pour de faits qui pourraient être passibles de peine d'amende et tout, mais se retrouvent là parce qu'elles n'ont pas l'instruction, elles ne savent pas défendre leurs droits, elles ne savent pas hausser les tons. Comme pour le cas de viol, nombreuses de femmes sont violées, mais même la famille vous demande de ne pas crier haut et fort. C'est un peu ça. With, you know, women and most of the time, as you know, women go to jail for very little mm-hmm. things that could be resolved. Comme les États-Unis. Like in the U.S. Comme oui. Same États-Unis. Thing. Et so most of these women, you know, are not literate. They also, you know, are in the patriarchal, you know, society where they don't have much, you know, to say, you know, and then especially when it comes to rape.
cases. Right, go ahead. Yeah. Et les cas de violence. There are reports in the United States always about rape in Congo. Is that, and as far as I knew, it was reported mainly during war. Is there a lot of rape in Congo now? And what happens as a result of that? Les journalistes et donc les médias ont épinglé le Congo comme une terre où il y a eu beaucoup de viols pendant la guerre. Est-ce que c'est un phénomène qui continue? Quelle est la situation à ce sujet? Est-ce que c'était pendant la guerre? Et maintenant, qu'est-ce qui est fait pour pouvoir... Oui, ce qui se passe du point de vue des médias est assez complexe. Assez complexe à cause de la situation politique du Congo qui est aussi complexe. Et cette situation est complexe du fait du caractère stratégique du positionnement de la République démocratique du Congo à travers, dans ses relations avec les autres partenaires internationaux. So he said that this question is very complex because you have to take it. Right, I agree. You know, you have to look at it like amid a particular position of Congo with regard to the other partners, like the international world. You know, so Congo is the political situation is very complex over there. Mm-hmm. Wait a minute. This is a very important subject because in the United States, it is presented as if Congo is a lawless country around that question. So it's important for our audience to know that there are steps being taken to protect women against these crimes. And I want to really make that clear. Elle est très, très, cette question pour Sandy est très importante parce que les gens ont été... il y a eu beaucoup de propagande, comme quoi c'était hors de contrôle, c'était quelque chose. Et elle veut aujourd'hui qu'on a l'occasion de vraiment dire au monde que l'image qu'on présente n'est peut-être pas ce qu'on pense, mais qu'il faut mettre ça dans un contexte et qu'il y a des choses qui sont faites. Je voulais y arriver en disant qu'il y a une guerre complexe aussi qui est faite à la République démocratique du Congo. Cette guerre est politique, cette guerre est économique. Militaire, économique, et même du point de vue des médias. Communicationnel. Donc, il y a des manipulations aussi derrière, et des contre-vérités derrière tout ce qui s'est dit sur la République démocratique du Congo. Il y a un but, il y a des visées par rapport à ça. Donc, il y a du faux et il y a du vrai. Ok. So yeah, we have to understand that Congo is like the target of a war, communication mm-hmm. war, you know, economic war, communications war, political war. So there's a lot of, you know, propaganda about Congo, against Congo, or somehow may be true, but not everything that is presented is true. Okay, that's a very important point, actually, that. And of course, rape is also a very complex crime here as well. It's a very serious crime, but in every society, I think it raises very complex problems. Elle est d'accord sur le fait que la question est complexe du point de vue donc de son caractère politique, économique et autres. Mais même la question du viol même est une question complexe. Qui est à prendre même ici aux États-Unis avec des pincettes parce que il y a beaucoup de considerations. Il y a beaucoup de considérations. Donc on continue. Oui, effectivement, s'il faut épingler les cas spécifiques des viols, il y a énormément de législation. Et le code pénal même a été modifié. Il y a eu l'insertion des crimes et des définitions spécifiques sur des viols. Il y a des cas de viols qui sont les plus étendus possibles. Les sanctions sont très lourdes. Et même, il y a des répressions du genre communautaire.
communautaire. Donc c'est ça, c'est une question qui est prise véritablement en considération. Et il y a les législateurs qui y travaillent, il y a des structures, beaucoup de structures mises en place rien qu'autour des questions des viols. It's been addressed by, you know, the country. It has. Only the, you know, judiciary, has, I mean, you know, the tribunal, I mean, the courts have been working on it. Sanctions have been very toughened. And but also there is community engagement. You know, there are different, like here, different organizations that are working. So I think at the end she has to talk about to her own organization. Yes, that's what I wanted to. Yeah, women's in jail. Yeah. Right. So she's doing a great job. She's a leader. So ma belle fille, vous allez parler maintenant concernant l'organisation. Je voulais d'abord placer Go ahead. Je voulais placer mon rapport au viol. C'est vrai que le viol, c'est un fléau qu'on trouve partout. Mais le viol du Congo a un caractère particulier parce que c'est utilisé comme une arme de guerre. Donc, les adversaires, quand ils viennent, non seulement ils combattent, mais violer pour eux, c'est maintenant une arme de guerre. C'est ainsi que même à une certaine époque, il y a des organisations, on a envoyé des juges et magistrats particulièrement qui sont venus de Kinshasa pour l'intérieur, pour l'est du pays, pour aller s'imprégner réellement de ces cas de viol. Parce que le viol qui se commet à l'est du pays, ce n'est pas du viol ordinaire, si on peut le dire. We have also to understand that, you know, it's like a war. Exactly. And then most of the cases that were reported are taking place in the context of war and by being used where rape is being used as a weapon of war. Right. Come to Le Monde. Well, it's everywhere. Rape is a tool of war, partout not just la guerre, in Africa. Pas seulement au Congo, partout il y a la guerre. Et donc c'est très important qu'aujourd'hui, it's very, very important that we have Congolese at this higher, you know, position to explain to our audience that, you know, it's so easy to, you know, it's like like it's a country that is, you know, only about rape, but it's a context of war. Right. So even the government sent judges and lawyers in these regions to really probe and really understand what was going on over there. Right. Okay, before we're almost out of time, and I did want the judge to talk about her special work with her organization, because it's very similar to an organization that we have in this country and state called Free Her Vermont, which is especially devoted to women in prison. So I really want to end with the judge's organization and what she is doing. Nous n'avons malheureusement pas assez de temps aujourd'hui et éplucher donc la question de la justice au Congo nous prendrait pratiquement une journée. Mais donc elle voudrait se limiter à ce cas concret, votre action dans le milieu carcéral, à l'action que vous avez auprès des femmes dans le milieu carcéral, car c'est une action qui est similaire à celle d'un groupe ici qui s'appelle Free Her. Libérer là. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre action? Oui, notre organisation, si je peux le dire, est née depuis 2019. The organization was, born in 2019. 2019, donc il est né d'un constat. À partir d'un constat, nous avons remarqué que d'abord, les conditions sanitaires, les conditions dans lesquelles vivent les femmes dans nos prisons, non seulement tout le monde, en particulier les femmes, sont tellement déplorables chez nous. Et comme je disais tantôt là, je disais que la femme qui est souvent incarcérée pour de faits bénins, nous sommes rendus compte, mais il y a plusieurs femmes qui sont là-bas qui n'ont pas de voix. Leurs voix ne sont pas portées et au fort à l'extérieur. Donc c'est comme ça qu'elles sont là-bas. D'où nous est venu, on a fait plusieurs constats, leurs conditions hygiéniques, la justice qui ne leur était pas rendue convenablement. Et nous nous sommes décidés ensemble avec mes amis comment faire en sorte que ces femmes, le voix ou la voix de ces femmes soit portée à l'extérieur. On va traduire déjà. So she said the idea came when in the jail in Congo, women, they are in the bad situations. There's a lot of women in the jail, but the situation not good. Right. Even health condition very bad. So in the prison. In the prison. Right.
and we can find some kids in the prison. And then she had the idea with some friends to create the organization which they can help women to speak up. And also there's some women there, they are in jail because of the simple case. Right, they should right. be out. So right. the idea started in 2019, and she had some friends, they are lawyer too. So now they try to speak up and support women in the jail. So this is the reason she started, she's leading one organization they call Revamp. What's it called? Revamp. Mm-hmm. Revamp. Revamp? Yes. Mm-hmm. It means libre. Nouveau départ. Nouveau départ. Beginning. New beginning. Okay. So. Right. Good. Congratulations. Yeah. The same thing is happening here in our state with an organization called Free Her Vermont. Okay. Same message. Women in prison are often in prison for very small crimes. Exactly. And they should be out. The other point is that they are often in jail for financial reasons. Mm. That maybe they shoplifted for food for their kids or passed a bad check, and they should not be in jail. And I believe that that is also going on in her country, your country, and that's the work of God, I think. C'est le même cas que vous défendez au Congo, même ici aux États-Unis, il y a certaines femmes qui se retrouvent en prison pour des causes que vous avez dit, des causes bénignes. Oui. Alors il y a aussi des organisations qui luttent pour ça, pour qu'il n'y ait plus de femmes en prison. And also I think she needs more support from here because yes. when they are helping women and after the jail, what they can do in the society. Exactly. Exactly. So she needs more support, she needs more connections with a lot of organization here. Mm-hmm. Well, she will have it from now on. Yeah. Okay, thank you. Sandy donc vous a su de son soutien pour cette okay. action. Alors, quels sont les défis? Dans quel domaine vous avez besoin de... One minute left. Oui, dans quel domaine nous avons besoin Oui, quel est votre appel avant que nous puissions terminer? Non, nous voulons d'abord entrer en contact avec d'autres organisations ici pour savoir comment les choses se passent pour améliorer notre travail vis-à-vis de ces femmes-là, comprendre leurs besoins et, comme je disais, porter eux fort l'air déshydrata. Uh-huh. Parce que comme chez nous là-bas, pour une prison faite pour, des cellules faites pour 100 femmes, on en trouve 300, 400. Il y a des femmes qui sont là-bas avec des enfants qui ne vont pas à l'école. Comment trouver le moyen de les scolariser, ces enfants-là? Comment trouver le moyen de former ces femmes-là pour qu'à la sortie de la prison, qu'elles soient importantes pour elles-mêmes, pour leur famille, pour leur société? Parce que lorsqu'elles sont en prison, il y a une rupture entre elles et l'extérieur. Et faute d'instruction, faute de travail, en sortant, souvent elles récidivent. Mm-hmm. Nous voulons leur apporter le soutien de telle manière qu'en sortant, qu'elles apprennent un métier à la prison pour qu'à la sortie, qu'elles soient capables de s'auto-suffire. Mm-hmm. C'est un peu ça. She will be very happy to meet with other organizations like hers here in the U.S. Before she exchange, yeah, you know. So, nous allons créer donc cette rencontre oui, avec oui, oui, avec, oui. pendant okay. que vous êtes là. Maybe a sister city. Et sister qui sait, prison. Peut-être vous allez faire un partenariat oui, oui, entre sœurs. Oui, oui. Donc, voilà, notre petit tour au Congo à travers... Très bref. C'était très bref. We could have other conversations until Friday when these people leave, right? Okay. I hope. Yeah. Okay, thank you very much, Merci. Both of you, for being with us, and Merci. Jules and Eric, and we hope to see you soon again. Okay. Merci. On va faire le bien.